En direct du village de la sécurité, j'accueille sur France Bleu le directeur de cabinet de la préfecture de Loire-Atlantique, Joanne Mougenot. Bonjour. Bonjour Joanne Mougenot. Nous sommes ici au village de la sécurité, c'est le grand final de la 6e édition des rencontres de la sécurité que vous organisez avec la préfecture de Loire-Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où viennent les rencontres de la sécurité ? Alors les rencontres de la sécurité, c'est un événement national qui a lieu chaque année. Cette année, c'est la 6e édition des rencontres de la sécurité. Et donc nous les déclinons ici en Loire-Atlantique. Donc c'est l'occasion, ces rencontres de la sécurité, pour les forces de sécurité, d'aller à la rencontre des citoyens, afin de mieux faire connaître d'abord leur mission, mais également leurs moyens, leurs techniques d'intervention, et également les contraintes qu'elles peuvent rencontrer dans leur activité quotidienne. C'est aussi l'occasion pour elles de sensibiliser les citoyens à leur propre sécurité, pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de leur sécurité. Et puis enfin, c'est éventuellement aussi l'occasion de susciter des vocations. Et donc notamment, juste à côté d'ici, il y a des stands de recrutement à la fois de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des pompiers. Tout cela.